Les projets routiers du quatrième pan de l'autoroute Jesco-Carrefour-Jacquesville, de la prison civile et de la Y4 seront tous livrés en 2023, conformément aux différents cahiers des charges. L'assurance a été donnée à une délégation de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire le 30 mars, au cours d'une visite effectuée sur les différents chantiers en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Je peux dire et l'affirmer que nous partons satisfaits parce que nous pouvons rassurer nos administrés du taux d'avancement de ces travaux. Le coordonnateur des travaux s'est dit convaincu qu'ils seront achevés dans les délais impartis, en dépit de quelques difficultés résiduelles. Le coordonnateur des travaux a exhorté les populations impactées par les perturbations à la patience. Il les a rassurés que l'objectif est d'améliorer leur mobilité ainsi que leurs conditions de vie. Nous avons profité également pour demander aux différents maires de plaider auprès de leurs administrés d'être encore plus patients, que nous sommes quasiment à la fin de nos travaux et nous mettons tout en œuvre pour que ces travaux puissent effectivement s'achever dans les délais prévus. La réalisation des ouvrages s'inscrit dans le cadre du projet des transports urbains d'Abidjan. Les projets visent à fluidifier le trafic et à désenclaver un certain nombre de quartiers.